l'année de guerre 1915, Jean Lursin, en congé de convalescence, fit broder par sa famille son premier carton pour le canevas. Ainsi devait naître une des plus importantes sources de ce qui sera appelé la renaissance de la tapisserie. Par sa franchise, la technique rudimentaire du canevas allait conduire les recherches du cartonnier vers le style mural de la tapisserie. À cette époque, presque tous les artistes furent attirés par l'art mural. L'architecture se débarrassait d'une croûte séculaire, cloisonnée de moulures, pour donner aux peintres de grandes surfaces nues. Le problème actuel se rapprochait de celui qui s'était posé au Moyen-Âge. C'est ce que comprit Lursin. Ses grandes réussites, celles de Dufy et celles de beaucoup d'autres artistes, feront de la tapisserie l'art mural de notre époque. Comme le montrent les tentures de Mattego et celles de Perrault, qui revêtent les murs de plusieurs salles de réception ministérielle. La nécessité d'un art mural de notre temps fut peut-être une des raisons de l'entreprise de Madame Marie Cutely. Vers 1930, elle fit tisser un groupe de peintres parmi lesquels figuraient Couteau, Rouault, Picasso, Henri Matisse, Raoul Dufy, Georges Braque. Les copies étaient prodigieusement habiles. La matière picturale était rendue avec une irréprochable fidélité. Le principe était critiquable, mais si elle n'avait pas résolu le problème, Madame Cutely l'avait posé publiquement en l'appuyant sur des œuvres d'une valeur incontestable, comme cette fresque tissée par Fernand Léger à son retour d'un voyage en Grèce. L'exposition fut présentée dans les plus grandes villes du monde. Dans le catalogue, le président Herriot notait « Lursin est l'initiateur, sa puissante personnalité se dégage ». De fait, chaque jour, d'une façon plus précise, se dégageaient les raisons qui différencient le cartonnier du peintre. Dès 1938, Lursin faisait lever sur la tapisserie un univers végétal plein de sève. Entre tous les peintres qui, dès cette époque, avaient préparé le terrain favorable, Marcel Gromaire avait fait tisser par la manufacture des Gobelins la terre, une tenture aux valeurs fortes, très écrites, comme la tapisserie l'exige. Les bûcherons de Mormal, tissés en 1941, sont l'aboutissement des mêmes recherches. En étudiant de près le travail des lissiers, Gromaire avait compris ce métier où l'on ne s'improvise pas. Il avait d'emblée tracé la route. Le contraste des couleurs, le dessin rigoureux des formes font vivre sur le plan du mur un monde cosmique et pourtant d'une humanité profonde. Mais revenons aux faits d'histoire. En septembre 1939, des cartons de tapisserie étaient commandés par le ministère des Beaux-Arts à Gromaire, Lursin et Dubreuil. Aubusson était alors en pleine crise de chômage. Les trois peintres s'y fixèrent pour surveiller le tissage de leurs cartons. Leur travail devait poser les bases de la tapisserie contemporaine. Dubreuil avait peint des êtres irréels, errant dans des jardins imaginaires. Le soutien donné aux cartonniers par quelques tapissiers d'Aubusson favorisa la naissance de ses œuvres. Lursin logeait chez le tapissier Tabard. Sa rencontre avec le coq, le plus insolemment coq qui se puisse trouver, se produisit-elle à cette époque? Lui-même le décrit, posant tour à tour une patte, comme une dextre fichée sur un bâton de commandement. Un rude hiver se passa à peindre en battant la semelle, dans les grandes salles où gelaient les couleurs. Chez Goubly, sous les toits, dans des chambres sans recul, Gromaire travaillait à ses cartons. Cet hiver-là, parmi d'autres, il fit tisser une tapisserie à la gloire d'Aubusson. Aubusson, avec ses 4 ou 5 000 âmes, est une petite ville de reflets et de légendes consacrée à la tapisserie depuis le XVIe siècle. La tour de l'horloge domine la vallée. Entre les maisons serrées court la Creuse dont l'eau permet la teinture de la laine.
Il s'y passe peu d'événements qui ne fournissent l'aliment de la chronique locale. Aussi peut-on imaginer les bavardages des habitants, voyant passer entre les ateliers qui faisaient du moderne, les peintres qui allaient et revenaient, travaillaient en équipe avec les lissiers, prenaient pendant des heures les leçons des métiers à tisser. Tandis qu'à l'extérieur se poursuivait la drôle de guerre, les mains agiles continuent de tendre les fils de la chaîne. Quand arrive le printemps de l'Exode, les hommes, les soldats et les véhicules étranges déferlent dans l'unique artère d'Aubusson. Le flot qui passe emporte avec lui des marchands, des journalistes et des peintres. Certains s'arrêtent. Le mouvement se prolongera jusqu'à la fin de la guerre et surtout après la libération. Alors, Aubusson et Feltin, petite ville voisine, deviennent le point de rencontre de tous ceux que la tapisserie passionne. Là, Brianchon, de l'entrecroisement d'Hélène, fait naître des personnages qui semblent sortir d'une mythologie. Une des femmes de talent qui ait su devenir cartonnier de tapisserie, Hélène des Troyes, laisse toute sa sensibilité se prendre dans la trame. Les métiers à tisser qui allaient mourir de vieillesse renaissent à la vie et les peintres continuent de venir à la tapisserie, attirés par un moyen d'expression venu vers eux du fond des âges. Il n'y a bête ni oiseau quand son jargon ne chante ou crie. Les volières de Don Robert qui bruissent des mêmes cris semblent l'illustration des vers de Charles d'Orléans. Saint-Saëns fait naître des hommes farouches, libres de chaînes, demi-dieux aux mains calleuses d'un monde solaire où tout est flamme. Jusqu'à la fin de la guerre, les contacts avec le public se produisent dans une certaine anarchie. Mais en 1944, la France ouvre les portes de sa libération et le nombre s'accroît des peintres de talent tentés par la tapisserie. Entre ceux qui devaient lui consacrer le plus clair de leur travail, Jean-Picard Ledoux traduisait pour la laine des thèmes traditionnels. Dans le cycle des saisons, c'est l'hiver, tel qu'aurait pu le vivre un peintre du duc de Berry. Enfin, sous l'impulsion de Denise Majorelle en 1945, de nombreux artistes se groupent. Des expositions et des conférences diffusent les idées de base de cette renaissance. Le caractère particulier de la tapisserie est maintenant déterminé d'une façon précise. La tapisserie n'a aucun rapport avec la peinture de chevalet. Le dessin du peintre se transformera en tissu. Le détail agrandi prend une autre signification. Et pourtant, vu de loin, la tapisserie devrait pouvoir se fondre dans une architecture. Le carton de tapisserie est peint à la gouache à sa taille définitive, ou bien, comme procède l'URSSAF, selon le code prévu avec le lissier, les couleurs sont chiffrées sur le dessin. Le carton doit être précis, car il sera tissé sans retouche par un artisan dont la sensibilité diffère de celle du peintre. Le cartonnier de tapisserie devra donc avoir une parfaite connaissance des disciplines du tissage. Pour faire passer deux couleurs l'une dans l'autre, on dessine des battages dans le sens de la trame, c'est-à-dire des fils de laine qui s'entrecroiseront avec la chaîne. Les jeux du peintre sont déterminés par le tissage. Lorsque la liberté du lissier s'arrête, celle du peintre commence. La laine n'accepte d'être tissée qu'avec la franchise d'un style mural. Mais le choix de l'harmonie des couleurs est limité. À l'épreuve du temps, seules résistent les couleurs grand teint. Sur beaucoup de tapisseries des 18e et 19e siècles, ont disparu des centaines de colorants éphémères employés pour imiter les blondeurs de la peinture. Le peintre moderne demande au teinturier de lui préparer ces tons solides qui conservent leur rapport en vieillissant harmonieusement. Ces tons lui serviront à composer son harmonie dans une gamme qui ne dépassera pas 30 ou 40 couleurs, revenant aux traditions techniques des 14e et 15e siècles. L'œuvre d'art est un choix. Les accents sont d'autant plus sonores que la gamme est réduite. La tapisserie perdit son caractère lorsque des facilités illimitées furent données aux peintres par l'emploi de plus de 10 000 couleurs.
la solution du problème esthétique a coïncidé avec la solution du problème économique dont avait failli mourir Aubusson. Le rayonnement artistique de la tapisserie n'était plus paralysé par une question de prix de revient. La renaissance était accomplie d'un art mural traditionnel. Le tissage d'une tapisserie demande parfois plusieurs mois. Au milieu du bruissement de l'atelier, les flûtes volent entre les fils. Des mains vieilles de 5 siècles suivent avec attention les indications du carton glissé par-dessous la chaîne, car une tapisserie se tisse à l'envers. Depuis 500 ans, les jambes appuient sur les pédales qui séparent les fils pairs des fils impairs. Depuis 1940, la main du lisquier a retrouvé celle du peintre. Après 1945, une quantité de peintres représentant tous les horizons de l'école contemporaine se joint aux précurseurs. L'importance d'une renaissance qui devient un fait public multiplie l'activité d'Aubusson. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, chaque époque a marqué la tapisserie de son empreinte. Et l'atelier de couture, qui voit défiler toutes les tendances infiniment variées de l'art moderne, l'atelier de couture où sont arrêtés les points, reste un reflet du passé. L'imagerie apportée par la nouvelle école française de tapisserie contient toutes les contradictions de son époque. Certains symboles retrouvés par les tapissiers modernes s'apparentent à ceux des civilisations les plus anciennes. Le coq de l'Ursa est le héros du soleil. Le dieu du soleil prenait pour les Égyptiens la forme d'Horus le faucon. Et la rencontre est curieuse de la chèvre et du bélier que l'Antiquité consacrait à d'autres dieux solaires. Pour inspirer la crainte ou le respect, les dieux et les rois faisaient du soleil un signe de leur gloire. Depuis les âges anciens, les sources de la vie sont symbolisées par le soleil aux rayons de feu. En face de la force aveugle, les craintes des hommes faisaient surgir le héros protecteur. Sous le soleil de la Crète, le roi Minos gardait enfermé dans un labyrinthe construit par Dédale un monstre qui exigeait chaque année pour pâture un tribut de jeunes gens. Thésée rencontra le Minotaure et délivra sa patrie d'une tyrannie cruelle. Cette œuvre de Saint-Saëns fut tissée pendant l'occupation allemande en 1943. Que le sujet en soit une antique légende, ou le poème de Paul Éluard tissé par l'Ursa, comme dans le passé, ces symboles sont pour les hommes des moyens de communion. Mais le symbole apporte avec lui son double visage, sa lumière et son ombre. Couteau le reprend et lui donne une interprétation différente. Dans un monde surréaliste, le soleil qui chasse la nuit prend une apparence humaine, hérissée de rayons de lumière. En face des symboles venus du fond des âges, comme Diogène cherchait un homme, le tapissier cherche une toujours plus nouvelle expression plastique. Alors Wojcinski se détache de toutes les influences, innove, revêt la pierre des formes arrêtées de ses rêves sans visage. Sur les tapisseries de Saint-Gier, l'équilibre coutumier se détruit pour retrouver un autre équilibre. Le peintre entre en conflit avec le décorateur. Et chez Tourlière, seules deviennent importantes l'architecture et la tache de couleur. Se passe comme si l'homme infiniment petit entreprenait l'exploration d'un monde vertigineux où l'esprit s'égare. Dans le jardin de Matego défile une végétation de minces lancettes bourgeonnantes, se mêlent dans un dessin complexe les rayons des étoiles, les pétales des fleurs, les trames des tissus,
les fourrures et les plumes. Parfois, sur les tapisseries de Prasinos, toute une géométrie s'envole et fait le tour de la pièce. Les battements des ailes écartent les murs, puis, revenant à leur point de départ, les oiseaux rentrent dans la laine. Les tapis de Le Corbusier vivent par ces nappes colorées aux dessins crépitants, par ces formes abstraites, sans autre but que de projeter sur le monde une pure sensation. Giglioli, dans un entrecroisement serré de fils, emprisonne une mosaïque de lumière. Au centre de l'imaginaire, l'homme aime à retrouver le monde rassurant de chaque jour. Les hommes de tous les temps ont eu le goût du sujet quotidien. La moisson est rentrée. Par le décor plat, le jeu subtil d'accent juste et précieux, Maurice André reconstitue la scène. La personnalité de chaque artiste projette dans la laine une expression différente que la tapisserie idéalise. La jeune fille qui laisse rêver ses doigts sur un piano a inspiré Daïez. Elle lui suggère une musique de forme et de couleur. Dans l'univers de la laine, s'est introduit la foire, l'aventure, les manèges. Autour d'une baraque de tir créée par Hilaire, les lampions fardent les hommes de teintures multicolores. De Guingbert, la parade annonce les numéros les plus sensationnels. Et de la trompette du clown sort un oiseau. Ainsi peut naître un poème de chaque image de la vie. Jean Lurça, prenant l'homme pour prétexte, emporte par les forêts les soleils d'un monde renouvelé. L'imagerie de l'Orient, le pays des conteurs de merveilleux, avait sans doute influencé le Moyen-Âge. La rencontre des tapissiers contemporains avec ses richesses fut le point de départ d'un bestiaire fabuleux. Dans le monde créé par Jean-Picard Ledoux, toutes les cages sont ouvertes. La lumière vient de partout. La vie se cache derrière chaque feuille. Un enchantement de plumes, de fleurs, de feuilles et d'herbes multiplie les signes de la symphonie colorée. Les tapisseries de Julien sont un univers des métamorphoses. La terre a des cheveux de raisin que grappillent les oiseaux. Et le soleil qui brille enchâsse des pierres précieuses dans la laine. Secouant la rosée du matin, voletant et pépiant, tous les oiseaux de la région se moquent de l'épouvantail. Ce monde à deux dimensions, où les oiseaux et les poissons se perdent dans la végétation, est né grâce à l'amour de la nature et de la fable des seigneurs nomades au Moyen-Âge. Le besoin de réchauffer la froideur de leur château, le besoin d'animer la grisaille de leur immense salle, explique l'intensité de la vie qui se retrouve transposée sur les tapisseries de Don Robert. Sur une tapisserie de Lagrange,
Le pêcheur qui visite le Verveux trouve accrochés à ses mailles des poissons qui éclatent en mille morceaux de soleil, mille éclats de couleurs qui recomposent la lumière. Quoique très incomplète, cette liste des cartonniers actuels donne une idée des recherches qui ont permis de renouer avec un passé aux multiples origines. Du soleil et de la laine est née sur les tapisseries une imagerie infiniment diverse. Par la volonté d'une quantité d'artistes de talent, un pont est jeté sur deux siècles de décadence. La tapisserie n'est plus un procédé approximatif de reproduction de la peinture, et c'est sans doute un des arts du mur qui demande à la fois le plus de fantaisie et le plus de rigueur. Une quantité de jeunes peintres attirés par la tapisserie s'exerce aux disciplines retrouvées. Sur les tapisseries de Poirier, la richesse de mille fleurs vit de la laine et du soleil dont la lune est le miroir. Claude Blény cherche à retrouver l'esprit des chefs-d'œuvre du XVIe siècle. L'élan de ces jeunes artistes vers un mode d'expression longtemps considéré comme un art mineur prouve la vigueur de la tapisserie contemporaine. Entre hier et demain, les portes sont ouvertes pour une grande époque. La tapisserie du XXe siècle est vivante.